Bonjour à tous, je suis dans les rizières en terrasse de Ban Pampong Phiang. C'est dans les montagnes de Chiang Mai, probablement les rizières en terrasse les plus connues qu'on puisse trouver par ici. Alors je suis un petit peu en équilibre, d'où l'image qui bouge. Venir depuis Chiang Mai, c'est relativement long, surtout si vous prenez les transports locaux. Et c'est pas forcément évident, évident, mais je vais vous montrer exactement comment il faut faire dans cette vidéo. Première étape de ce long périple, donc ça va être d'aller à Prathu Chiang Mai, qui est une des portes du centre-ville de Chiang Mai, vous savez, le carré avec les fortifications. C'est la porte qui est près de la Saturday Walking Street, donc celle qui se trouve devant moi. Je sais pas si ce sera toujours le cas pour vous, mais là, la voiture jaune pour Chom Thong, elle est vraiment en face de la porte, puisque la porte là-bas au fond, et la voiture qui est ici. Je vais quand même demander au chauffeur pour m'assurer que c'est bien la bonne voiture. Chom Thong, oui. Avocat. Voilà, donc c'est bien ça, donc il n'y a plus qu'à monter. Et vous voyez, vous avez tout de suite une autre voiture jaune qui prend place, donc c'est vraiment très régulier. Il est 8h48, on va voir à quelle heure on arrive à Chom Thong. Voilà, il est 10h13, je suis descendu de la voiture jaune à Chom Thong. Il m'a déposé à l'arrêt. Alors quand vous montez, dites-lui plutôt que vous allez à la cascade de Mepan, Namtok Mepan. Comme ça, il vous déposera directement ici à cet arrêt où vous pourrez prendre une autre voiture direction Mechem qui vous déposera à la cascade. Sinon, par défaut, vous serez déposé au temple principal de Chom Thong, à savoir le Wat Pradatu Sri Chom Thong, donc qui est juste là. Et donc, pour aller retrouver la station pour prendre la voiture suivante pour continuer votre trajet, bah, vous voyez là devant moi, vous avez une voiture jaune. Donc, vous n'avez même pas 30 mètres à faire à pied. Vous aurez peut-être un peu d'attente, parce que par exemple, moi là, on est arrivé, il est 10h15, la prochaine voiture, elle est à 11h. Et si jamais vous avez de l'attente, vous pouvez aller, vous avez un marché là, et puis dans la bâtisse que vous voyez derrière, vous pouvez faire un petit tour au marché, acheter des petits produits locaux, ou juste voir un marché local. Ça peut être sympathique aussi. Et donc le trajet de Chiang Mai jusqu'à ici à Chom Thong, ça coûte 35 bahts par personne. Alors sinon, vous avez un autre moyen de venir ici, c'est de prendre ce bus-là, le bus 1232 qui va jusqu'à Chom Thong. Donc de Chiang Mai à Chom Thong, il va jusqu'à Hod. Comme vous voyez, si vous prenez le bus, il vous dépose exactement au même endroit. Et vous pouvez donc après prendre la voiture jaune pour aller à la cascade. On a un petit erratum, en fait c'est 11h30 hein, le départ. En fait, vous avez ici sur le panneau tous les horaires. Vous voyez 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30. En fait, il y en a toutes les 2 heures à partir de 9h30 jusqu'à 17h30. Et donc, il n'y a plus qu'à trouver de la place. Et on va être nombreux, je pense. Voilà, donc là, on arrive à la cascade de Mepan. Il n'y a plus qu'à descendre. Donc vous voyez la voiture vous dépose donc ici à ce panneau du Mechem Ranger Station dans le Doi Itanon National Park de Thaïlande, donc le parc. Et donc en fait là maintenant, alors comment ça se passe pour venir ici, vous réservez auprès d'une guest house, je vous mettrai des coordonnées de guest house, et vous vous organisez avec la guest house, et au moment où vous arrivez en fait au deuxième checkpoint du Doi Itanon Park, vous les appelez, vous leur dites on arrive, et donc quand vous serez déposé ici, vous aurez une voiture qui va venir vous chercher. Alors de venir ici depuis Chom Thong, ça nous a pris à peu près 1h30 et ça coûte 70 bahts par personne
troisième étape donc pour rejoindre Banpapongpiang dans cette voiture, vous voyez comme je vous disais, qui nous a rejoint. Et nous voilà donc arrivés. Ça va les gars. Et donc vous voyez là, vous avez un petit aperçu déjà de Banpapongpiang. Et donc notre guest house, elle est là. Voilà, donc là, vous avez les rizières de Banpapongpiang. Et puis là, vous avez ma chambre. Alors bon, c'est ultra basique, hein, deux matelas sur le sol, des couvertures. Vous avez une moustiquaire. Et donc ça coûte 500 bahts par personne. Donc voilà, vous avez l'essentiel de ce qu'on appelle les rizières en terrasse de Banpapongpiang, là, que vous voyez sur ce panorama. Et donc comme vous voyez, donc ça c'est ma guest house, et vous en avez d'autres qui sont là, quelques-unes. Alors, des guest house vraiment basiques, hein, c'est des petites huttes. Ah, vous en avez un autre ici. Vous voyez, ça c'est toutes les guest house que vous avez, donc là, hop, avec des petites... natte terrasse pour pouvoir observer la vue. Vue qui normalement, si vous avez de la chance, et j'espère que ça va être mon cas, est magnifique au coucher du soleil et au lever du soleil. La question reste à savoir, où qu'est-ce qui se couche, où qu'est-ce qui se lève. Moi j'ai séjourné dans cette guest house là, ici, donc le Ban Nong Nampu. Je vous mettrai les coordonnées évidemment sur le site et dans la description de cette vidéo sur YouTube. Pour les prix, c'est sensiblement partout pareil, hein, c'est 500 bahts par personne, par nuit, partout. Après, ce qui change, c'est surtout le décor, parce que vous avez toujours des cabanes en bois. Et ce que j'aime bien ici, c'est la vue, qui est quand même sympa, parce qu'on est un petit peu en hauteur. Et donc voilà, ce qui est pas mal ici, c'est que vous avez une vue en hauteur. C'est le cas dans la plupart des guest houses de Banpapongpiang, mais c'est pas toujours le cas. Alors au niveau des guest houses, vous avez pas un large choix, mais celui qui, à mon avis, a la meilleure vue, c'est celui-ci, le Banpiang Ma. Je vous le montre rapidement, vous voyez, donc on arrive ici. Parce qu'il est sur le côté gauche, en fait, pas sur la rue principale, vous avez une petite rue, enfin une route qui descend. Et donc il est sur le côté gauche, lui. Et vous avez une vue beaucoup plus générale depuis les bungalows. Donc là, vous avez le premier bungalow. Et vous voyez, donc c'est des bungalows, voilà, c'est des maisons en bois. Un petit peu surélevées, vous avez une terrasse. C'est très basique, vous avez des matelas posés par terre. Hein, donc voilà, si vous aimez le confort, c'est pas ici qu'il faut venir. Ça, c'est la salle de bain. Donc en fait, la salle de bain, c'est des toilettes à la turque. Et puis... un grand broc d'eau et puis une petite bassine que vous utilisez pour vous asperger d'eau, c'est la douche. Autre information utile, ici pas d'électricité. Donc le soir, vous voyez d'ailleurs là, il y a des restes. Le soir, c'est tout à la bougie, donc ils vous donnent des bougies, un briquet, etc. Mais si vous voulez recharger vos téléphones, votre appareil photo, etc., etc., prévoyez un power bank parce que vous pourrez rien recharger ici. Il n'y a pas d'électricité. C'est pas, il n'y en a pas tout le temps, comme dans certaines îles de Thaïlande, ça, il n'y en a pas du tout. Alors c'est des rizières en terrasse, comme vous voyez. Vous avez des niveaux, une rizière, hop, un petit escalier, une rizière, un petit escalier, une rizière, un petit escalier, une rizière, un petit escalier. C'est le principe des rizières en terrasse et c'est ce qui fait la beauté du lieu. Alors c'est beau tout le temps, hein, sauf quand il n'y a pas de riz. Je vous donnerai en fin de vidéo les moments où c'est le plus intéressant de venir. Mais le moment vraiment le plus intéressant, c'est juste après la repique du riz. Parce que vous avez encore de l'eau dans les rizières. Et puis le riz est encore tout petit. Et donc en fait, vous avez des reflets du soleil dans les rizières. Dans l'eau des rizières, ça fait très jolie photo. Je vous montre pour illustrer une photo... que j'ai prise ailleurs près de Chiang Mai pour vous voyez ce que c'est. Alors évidemment quand on se balade dans les rizières, ça veut dire qu'on marche sur les petits talus
de chaque escalier. Et donc c'est un petit peu, il faut être un petit peu équilibriste, surtout qu'en général c'est mouillé et ça glisse un peu. Mais ça vaut vraiment le coup. Alors, compris dans le prix de la chambre, vous avez le repas du soir, que voici, et le petit déjeuner. Alors, repas du soir, légumes, omelettes, légumes, riz, et vu. Et une des raisons pour lesquelles c'est sympa de venir ici et d'y passer la nuit, outre le fait que le trajet est assez long et que ça permet de se reposer, c'est le coucher du soleil que vous pouvez voir sur les rizières. Alors, nous, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça va venir. Et pour ça, la guest house où je suis, elle est très bien puisqu'on a une petite terrasse en hauteur avec une vue imprenable. Voilà, c'est le matin à Ban Pampong Phiang. Il est un peu plus de 6h30 du matin et je vais me balader à nouveau dans les rizières. Alors ici, au niveau activité, à part participer éventuellement à la repique du riz si vous êtes au début de la saison du riz, il n'y a pas grand-chose à faire évidemment, si ce n'est se balader, profiter des paysages, se balader dans les rizières, sur les chemins. Et c'est vraiment très agréable, vous pouvez éventuellement aller à la cascade de Mépan un peu plus loin aussi pour la visiter, pour la voir. Comme je vous disais, le petit-déj est compris aussi dans les 500 bahts par personne et par nuit. Alors le petit-déj, c'est une soupe de riz avec des champignons, j'ai l'impression. Voilà, avec du porc et des champignons, des œufs durs et du café. Évidemment ici, il n'y a pas de 7-Eleven, il n'y a pas de distributeur d'argent, il n'y a pas tout ça, hein, c'est vraiment que des maisons. Prévoyez du cash avant de venir pour pouvoir payer. Et puis si vraiment vous avez envie d'avoir autre chose que les repas qu'on vous fournit, ben, amenez des provisions. Alors moi, au marché de Chom Thom, pendant l'attente, j'ai acheté ces magnifiques chaussures en plastique pour 100 bahts. Et je suis bien content de l'avoir fait parce que vu la boue, etc. qu'il y a ici, que j'avais pas de bottes, ben c'est une bonne alternative. Comme vous voyez, les gens qui viennent par leurs propres moyens ici, en général ils viennent en moto. Et ils ont plutôt des motos adaptées. Bon, en fait j'ai menti, hein, il y a un 7-Eleven, enfin presque un 7-Eleven. C'est exactement la même chose, vous avez juste pas la petite musique quand vous rentrez. Ouais, vous pouvez acheter des nouilles, des chips, des cacahuètes. Oui, j'ai failli oublier, si vous voulez venir ici, préférez les jours de semaine, parce que les week-ends, tout est plein, toutes les chambres sont pleines, des semaines, voire des mois à l'avance. C'est très prisé des Thaïlandais comme petite escapade. Et donc les week-ends, beaucoup de Thaïlandais viennent ici. Donc vous, si vous pouvez, essayez plutôt de venir en semaine, vous aurez plus de chances d'avoir de la place dans une chambre. Il va être temps de repartir, donc on va remonter dans la voiture. Vous voyez quand même, c'est une voiture qui a pas mal été éclaboussée sur la route. Alors sur le chemin du retour, la voiture jaune vous déposera probablement plutôt à cet arrêt de bus là que à celui d'où vous êtes parti à l'aller. Et ici, bah, vous aurez des voitures jaunes qui vont à Chiang Mai qui s'arrêtent, et puis aussi le fameux bus bleu. Bon bah finalement c'est une voiture jaune qui arrive en premier par rapport au bus, donc je vais prendre la voiture jaune comme à l'aller. Ici à Ban Pong Phiang, on est dans la montagne, donc il fait sensiblement plus frais qu'en plaine. Vous avez vu, j'ai mis un petit pull et une petite écharpe, ce que je vous conseille de mettre dans votre valise quand vous venez ici. Et évidemment le meilleur moment donc pour venir ici, c'est en pleine saison des pluies, d'ailleurs il recommence à pleuvoir. Donc vous risquez d'avoir de la pluie, donc emmenez aussi tout ce qu'il faut pour vous protéger de la pluie. Il a plu pendant une bonne partie de mon séjour ici, d'ailleurs il pleut pendant que je fais cette séquence, il pleut un tout petit peu mais il pleut. Comme vous le voyez derrière moi, ça n'empêche pas de profiter de la vue qui reste superbe. Sinon donc, je vous expliquais dans la vidéo comment venir avec les transports locaux. Vous pouvez évidemment venir par vous-même, notamment jusqu'à l'intersection que je vous ai montré où la voiture est venue nous chercher. En fait vous pouvez venir même un peu plus loin à cette intersection, vous prenez la route qui descend à droite et vous allez jusqu'à la cascade de Mépan, la Mépan Waterfall. Mais après, vous aurez un chemin qui n'est pas très praticable pour venir jusqu'ici, qui est boueux puisqu'on est en saison des pluies. Donc, même que ce soit en scooter ou en voiture, vous aurez du mal à pas vous enliser et à galérer. Donc, mieux vaut qu'une voiture vienne vous chercher. Parce que vous voyez, la route, c'est ça,
ça ressemble à ça sur un peu plus de 2 km. Gros pick-up avec 4 roues motrices qui vient vous chercher, ça coûte 700 bahts. 700 bahts par trajet aller-retour. Vous payez que au moment de repartir. Et évidemment, si vous avez la chance, comme ça a été mon cas, d'arriver dans le Songtheo jaune de Shangtom et d'avoir d'autres gens qui viennent aussi à Banpapongpyeong, le prix sera divisé. Moi, par exemple, du coup, je n'ai payé que 350 bahts. Le meilleur moment pour venir à Banpapongpyeong et profiter de la vue que vous avez derrière moi, c'est de début juillet, mi-juillet, jusqu'à fin octobre, c'est-à-dire quand il y a du riz dans les rizières, puisqu'elles sont repiquées en général début juillet, mi-juillet, alors ça dépend évidemment des pluies, et récoltées fin octobre, début novembre. De toute façon, si vous essayez d'appeler ici pour réserver une chambre, et que vous n'êtes pas sur cette période-là, ils vous le diront de même que c'est pas la bonne période et qu'ils n'accueillent plus de touristes. Je mettrai toutes ces informations en détail sur le site thailandi.com dans un article que j'écrirai pour la partie blog du site. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. Si vous avez aimé cet endroit et cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager et évidemment à souscrire à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage à continuer. Et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos pratiques sur le voyage en Thaïlande. Salut !